Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 26 mai, on va tester le tout dernier appareil là qui va être disponible à la vente. Il s'agit du tout premier lecteur CD portable vendu par Sony 1984, c'est le modèle D50. Donc la présentation, c'est simple, c'est un appareil tout en métal, hein, aluminium exactement, avec des jolis boutons en alu brossé, un afficheur LCD. Et une sortie jack sur le côté. Et à l'arrière, une sortie line. On peut attaquer avec un câble adaptateur RCA. Et l'alimentation 9 volts ici. Alors, il sera fourni avec le dock. Hein, ce dock qui permet d'utiliser le Sony D50 sur le secteur 220 volts. Et en même temps, il a les sorties RCA. Comme on peut voir ici. Voilà. Sortie RCA. Qui pour l'essai vont alimenter mon JVC, mon Bobox JVC personnel, voilà sur les entrées aux tout simplement. Et on va voir que ça marche super bien, hein, super qualité. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par l'insérer sur son dock. Voilà, on le met comme ça, on le pousse. Voilà, il est en place et on a le bouton ici Power comme ça. Alors à savoir que ce modèle c'est le tout premier des D50 parce qu'on les reconnaît à la couleur du bouton Power. Celui-là, il a le bouton noir. Alors que la plupart des D50 qu'on trouve sur le marché actuellement possèdent le bouton vert. Donc c'est une version après. Donc celui-là, c'est vraiment le tout premier, tout premier. Donc on va commencer par faire l'essai. Donc j'ouvre le capot. Hop, je vais insérer un disque du commerce, hein, tout simplement. Voilà, hop, on ferme. J'appuie sur play, donc là l'écran se met en route et il va se mettre à commencer la lecture. Alors pour éviter les problèmes avec YouTube, on va choisir une chanson qui je pense n'est pas protégée. Voilà, donc là il est en lecture. All'uscita della scuola in città. La pause, lecture. Alors là, on peut sauter les plages, mais sinon, avec ce bouton à double fonction, on peut faire une avance rapide ou un retour rapide. Alors la qualité est super, hein, c'est vraiment le son. On retrouve vraiment le son chaud des années 80, quoi, le truc indescriptible qui a été malheureusement abandonné les années suivantes. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment sur la qualité CD des tout premiers modèles. Et voilà, c'est incomparable. Alors je l'ai essayé, bien évidemment, avec mes écouteurs, avec le jack 3.5 là ici, comme ça. Et la qualité est vraiment super, hein. En plus c'est du Sony sans faire exprès. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Impeccable, le bouton volume, il n'y a pas un bruit, pas un crépitement, rien. De toute façon, il a été révisé, donc il n'y a aucun souci. Hein. Intérieur, extérieur, tout est nettoyé. La diode laser aussi nettoyée. L'intérieur aussi, tout ce qui est engrenage, tout ça, les mécanismes, tout ça, tout a été graissé. Évidemment, le potentiomètre de volume, puisque d'origine ils ne sont pas protégés ou très mal, donc forcément ils crépitent tous. Donc celui-là, c'est sûr et certain, il a été fait et il est comme neuf, comme à l'origine. Voilà, on peut voir sur les côtés, hein, il est vraiment. C'est un joli appareil, un des rares survivants. Donc voilà, c'était un essai rapide parce que, bon, de toute façon, c'est juste un lecteur CD, hein, tout simple. Mais voilà, il fonctionne vraiment très très bien. Je l'ai laissé tourner pendant très longtemps avec plusieurs CD et voilà, il marche très très bien. Donc, beaucoup de bonheur à son futur propriétaire. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt.